c'est un endroit absolument inaccessible. Et si on se servait de la bascule? On peut sûrement y mettre quelque chose.
cela. Hé hey, juste ce qu'il me faut. Vous êtes occupé? Oui, je n'en doute pas. Vous avez l'air de vous rouler les pouces. Je veux m'entraîner un nouveau tour, mais c'est trop dangereux tout seul. En fait, un petit garçon voudrait voir le clown du cirque. Ouais. De toute façon, il va bien falloir que j'essaie. Mais je ne veux pas m'entraîner devant les autres. D'accord, c'est parti. Comme il a la grosse tête. Prêt? D'abord, prends ça. Je vais m'entraîner sur ce fil. Si je tombe, rattrape-moi avec le tapis. Prêt? Je me lance.
attendais justement. Je commencerai par les remerciements. Merci. Grâce à toi, le clown du village a repris confiance. Ma question concerne les vilains cochons. Oui, bien sûr. Notre ami a été enlevé par les vilains cochons. Les flammes, la glace, le fantôme. Je vois que tu as déjà acquis 3 sacs à vilain cochon. Il est impossible de trouver la cachette d'un vilain cochon sans le bon sac à vilain cochon. Si vous ne savez pas quel vilain cochon a enlevé votre ami, vous allez devoir tous les combattre. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Il nous faut 2 sacs à vilain cochon supplémentaires. Les sacs à vilain cochon se trouvent toujours dans des endroits ensorcelés. Donc, l'un est dans le village et l'autre est dans le temple d'eau. Comment y parvient-on? Eh bien, il faut...
Maintenant, pose l'herbe pour éléphant là-bas. On ferait mieux de s'y mettre. Réussi, Tombi. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.